manifestation contre la loi El Khomri, la manifestation contre la loi El Khomri, plus de 130 mesures d'interdiction de paraître, plus de 130 mesures d'interdiction de paraître, un dispositif assez lourd, exceptionnel par son ampleur, un dispositif assez lourd, exceptionnel par son ampleur, trois engins lanceurs d'eau, des canons à eau, trois engins lanceurs d'eau, des canons à eau, 1500 forces de police, des canons à eau, 1500 forces de police, des canons à eau. Il y a eu plus de 1500 grenades qui ont été utilisées, 175 grenades de désencerclement, 175 grenades de désencerclement. Les forces de l'ordre n'expriment en rien une conviction, une opinion. Les forces de l'ordre n'expriment en rien une conviction, une opinion. Je pense à tuer des manifestants. Je pense à tuer des manifestants. Je pense à des tirs par la tête de cortège. Je pense à des tirs par la tête de cortège. C'est une extrême violence des CRS. C'est une extrême violence des gendarmes mobiles. C'est une extrême violence de la préfecture de police. L'origine, évidemment, de toutes les difficultés. Une nébuleuse des manifestants, que j'appelle des casseurs par simplicité. Une nébuleuse, huit façades de banque, des casseurs bien sûr, l'annexe du Parti Socialiste, ce qui est nouveau. Une nébuleuse préparée et organisée a déclenché le feu, s'attaquer aux banques, aux préfectures de police, s'attaquer aux CRS, je pense à déclencher le feu aux préfectures de police.